Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Acro Maroc, la chaîne dédiée aux amoureux du Maroc. J'espère que vous allez bien, que chez vous, tout le monde les baisse. Bon, les amis, comme vous venez de le voir sur ces images, la situation est catastrophique actuellement dans les ports de septa et de Tanger. Donc, il y a vraiment beaucoup de monde. On est le 25 août, les gens rentrent de vacances et c'est blindé. Il y a plusieurs heures d'attente pour entrer à septa 5 à 6 heures d'attente. Euh, vous avez vu le, le, le kilomètre de bouchon qu'il y a euh, à l'entrée de SEPTA. Ce Et c'est pareil pour Tanger. il y a plusieurs heures d'attente. Cette information, il va falloir la partager autour de vous. Si vous connaissez des gens qui vont bientôt prendre le bateau, par Tanger ou Septa et qui rentrent en France, enfin en passant par l'Espagne évidemment, il faut euh, les prévenir, euh, qu'il faut qu'ils prennent leur disposition parce qu'il y a vraiment beaucoup 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 de monde. Alors ce qui se passe, euh, à Tanger apparemment ils passent tout le monde au scanner, je parle pour Tanger Med. Apparemment euh, Tanger Ville c'est beaucoup plus fluide, il y a moins de monde mais par Tanger Med c'est euh, un port qui est évidemment plus grand donc forcément beaucoup plus de monde qui passe par là, euh, il paraît que euh, tout le monde passe au scanner et du coup ça retarde énormément l'embarquement. Donc cette information, elle est très, très importante. Il faut le savoir si vous prenez le bateau aujourd'hui ou même ce week-end. Apparemment, ce week-end, ça va être encore euh, plus intense au niveau du trafic. Il va y avoir beaucoup plus de monde. Donc vraiment, attendez-vous à ce délai d'attente avant euh, embarquement. Euh, ensuite, au niveau de Septa, ben euh, vous savez, c'est une enclave espagnole sur territoire marocain. Il euh, n'y a, y a que deux fils apparemment, que deux fils pour pouvoir entrer dans le, dans le port. Et, euh, et ces deux fils, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde parce que les gens, ils ont pris euh, pas mal de billets aller-retour sur Septa parce que c'était moins cher. Et donc aujourd'hui... Euh, y... Patienter avant de pouvoir entrer dans le port, et je vous dis, cette il euh, y, y a des bouchons là qui se sont formés euh, de plus de 3-4 km, donc des heures d'attente. Il hein, y en a qui ont attendu 5-6 heures avant de pouvoir rentrer dans le port. Donc, ça, c'est une information très très importante qu'il va falloir euh, transmettre autour de vous. Autre information concernant euh, les ports de Nador et Mlélia. Alors, Mlélia, il y a aussi un petit peu d'attente euh, sur les dernières infos que j'ai eu il y a 3 à 4 heures d'attente, mais ça risque de s'aggraver dans les prochains jours et notamment ce week-end, parce que je vous dis, euh, la semaine prochaine, c'est la rentrée des classes et tout le monde rentre du Maroc et, et forcément, c'est blindé partout. Donc sur Blélia, on est pour l'instant à 3-4 heures d'attente, mais ça va se rallonger et ça pourra atteindre facilement 6 à 7 heures euh, d'attente avant euh, embarquement. Ensuite, euh, le port de Nador. Alors, sur Nador, apparemment, c'est fluide en ce moment. Il n'y a pas trop, trop de monde. Il y a une à deux heures d'attente. Donc, euh, comparé aux, aux autres ports, franchement, euh, on peut s'estimer heureux si vous passez par Nador. Euh, sur le Fiosema, je n'ai pas d'infos là, dernièrement. Donc, s'il y en a qui passent par le port de Fiosema, n'hésitez pas à nous donner euh, des infos. Mais en règle générale, Fiosema, il y a beaucoup moins de monde. Donc, règle euh, générale, ça, ça, va, ça va plutôt vite. Euh, voilà. Alors. Pourquoi, euh, pourquoi toute cette attente-là Il y en a qui font des suggestions, qui disent que c'est parce que c'est les douaniers qui mettent trop de temps, c'est les contrôles, c'est ceci, c'est cela. En fait, il y, a, il y a un document qui a été produit par le port de Tangier Med, euh, que je vous mets là à l'écran. Et dans ce document, en fait, ils expliquaient clairement à quel moment il y a du monde, à quel moment il y a beaucoup de monde et à quel moment c'est fluide. Naturellement, tout le monde veut profiter de ses vacances jusqu'au bout et tout le monde veut aller et rester au Maroc jusqu'à la fin août. Et la plupart d'entre vous, vous avez peut-être des enfants et c'est la rentrée. Donc tout le monde veut rentrer pour le 1er septembre. Donc il est complètement normal qu'à partir du 25 août, comme on peut le voir sur ce document, la période en noir, c'est une période à très forte intensité de trafic. Ça veut dire qu'il y a énormément de monde et que les délais d'attente se rallongent naturellement. Si tout le monde veut rentrer en même temps, c'est normal qu'il y ait du monde, c'est normal que ça bouchonne et c'est normal qu'il faut patienter plus que ceux qui vont rentrer, par exemple en période verte ou jaune, où on voit que c'est quand même moins, où il y a moins de trafic. Donc euh, clairement, comme le montre ce document, c'est les périodes noires qu'il faut éviter, périodes à très haute euh, intensité de trafic où vous avez énormément de monde. Donc si vous n'aimez pas patienter, ce que je peux comprendre, personne n'aime attendre des heures et des heures au soleil, etc. Il faut, euh, il, faut, il faut voir la chose différemment. Il fallait se dire la chose suivante. Je profite moins longtemps de mes vacances. Je rentre avant le 20 août et je suis sûr de n'avoir personne. Ceux qui sont rentrés le 15 août, le 18, le 19, euh, c'était ça, ça roulait. Bon, il y avait un petit week-end où il y avait quand même un petit peu, un petit peu de monde. Là, le 20, il me semble, le 20 ou 19 et 20. Mais après, ça s'est calmé un petit peu. Et là, ça repart. Et je vous dis, ça, c'est que le début. Vous allez voir dans les prochains jours, là, à partir de vendredi, samedi et dimanche, ça va être blindé. Je plains franchement les gens qui vont, euh, qui vont rentrer là dans les prochains jours. Euh, à mon avis, vous allez galérer, donc armez-vous euh, de patience. Prenez de l'eau, prenez à manger, prenez tout ce qu'il faut. Et, et fr franchement, faites preuve de patience. Je sais qu'il y en a qui ont des enfants en bas âge, il y en a qui ont des personnes âgées avec eux dans la voiture. C je sais que c'est terrible, hein, mais c'est comme ça. C'est que tout le monde veut rentrer en même temps et à un moment donné, il n'y a pas 36 solutions. Il y a un nombre limité de bateaux, il y a un nombre limité de, de douaniers ou même de postes frontaliers, donc à un moment donné tu ne peux pas aller plus vite que la musique. Là, ils font leur maximum. En plus, il y a tous les contrôles PCR qui, qui doivent être faits. Alors, je sais, ils ne sont pas faits systématiquement. Il y en a qui me posent encore la question. Ils me disent en commentaire, ouais, moi, je suis passé, on ne m'a pas demandé. Il y en a qui me disent, moi, je suis passé, on m'a demandé au Maroc, on ne m'a pas demandé en Espagne. Il y en a qui me disent, on m'a demandé en Espagne, on ne m'a rien demandé au Maroc. Bon, vraiment, les contrôles ne sont pas systématiques. Je répète encore une fois, le test PCR ou un test antigénique est obligatoire si vous passez par l'Espagne. Donc, faites-le. Maintenant, euh, si ça se trouve, on va le contrôler ou pas. Ça, j'en sais rien. C'est, euh, je vous dis, à l'humeur du douanier, en fonction de s'il y a du monde ou pas, s'il a envie de faire son travail jusqu'au bout ou s'il a envie de fermer les yeux sur, sur le test PCR. Parce que des fois, ils ont des choses plus importantes à faire. Quand tu vois qu'il y a 5-6 heures d'attente, de, de, de fil d'attente pour accéder au port, ben des fois, ils se disent, bon, le PCR, ben, on laisse ça au second plan. Le plus important, contrôler les passeports. Et ils contrôlent pas mal les véhicules, comme je vous ai dit, surtout par tanger. Apparemment, en ce moment, les véhicules ou presque passent au scanner c'est aussi ce qui fait euh, retarder un petit peu la chose donc euh, ça à savoir si vous comptez amener des choses qui sont peut-être pas euh, autorisées ou même interdites que hein, euh, bon je voilà il faut le savoir ça il ya des contrôles qui sont faits au scanner donc euh, euh, vraiment les amis voilà je sais que quand à l'aller ça a été dur pour certains il y en a qui ont déjà galéré L'aller maintenant, c'est la même chose. Au retour, il y en a qui sont en train de galérer. Malheureusement, c'est comme ça depuis des années. Euh, pour l'instant, il n'y a pas de solution qui a été trouvée. Je sais pas s'il existe une solution miracle, mais en tout cas, euh, l'état actuel des choses, euh, il est là. Je vous ai montré la situation actuellement et je vous dis, ça va durer comme ça jusqu'à la fin août, même peut-être début septembre. Il y en a qui, qui, qui rentrent en retard là, dans les premiers de septembre. À mon avis, ça va être comme ça au moins jusqu'au 1er septembre. Après, ça risque de se je vous ai dit à la rentrée des classes, les gens ils doivent retourner au travail, etc. Donc après, à partir du 5 septembre, en règle générale, c'est très calme. Donc ceux qui n'ont pas d'enfants ou ceux qui, qui décident de mettre leurs enfants un peu tard à l'école, si vous rentrez après le 5 septembre, ça devrait être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus calme. Voilà. C'est comme ça, les amis. C'est une situation, comme je vous dis, qui dure depuis des années. Et pour l'instant, il n'y a pas de solution qui a été trouvée malgré euh, le nombre de ports. Parce que quand même, il y, y a beaucoup de ports au Maroc. Il y en a qui passent par Tangémet, Tangéville, euh, Tchadnador, Tchad Mlélia, Tchad Septal, Hosseema. Donc ça fait quand même pas mal de ports. Mais il faut savoir que cette année, elle était particulière. Tout le monde, ou presque, est rentré au Bled. Il y a eu le Covid entre temps, il y a eu un tas de choses, donc euh, les fermetures des frontières avec l'Espagne, etc. Et cette année, tout le monde est descendu au bled. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Donc euh, c'est normal, à un moment donné, tu as beaucoup, beaucoup de monde, tu n'arrives plus à gérer. Je donne toujours cet exemple-là du restaurant. Euh, quand tu as trois clients, ben, tu les gères vite et tu les sers en 2-2. Mais quand tu en as 40 et surtout s'ils arrivent tous en même temps, là, c'est difficile de servir tout le monde euh, en 5 minutes le service il prendra plus de temps et puis c'est normal, c'est comme ça quand tu vas quelque part et qu'il y a du monde, ben, tu attends. Ben, c'est comme ça là les amis, je sais que c'est pas pas agréable, c'est que on part pour partir et passer de bonnes vacances au Maroc et puis on se retrouve à attendre à l'aller plusieurs heures, au retour plusieurs heures. C'est comme ça. Moi, le conseil que j'ai à vous donner, c'est ce que je fais moi en ce moment, c'est de prendre l'avion. L'avion, il n'y a pas d'attente, sauf s'il y a un peu de retard. Hein. Je me rappelle, l'aller, euh, j'ai eu quand même deux heures, euh, deux heures de retard sur mon vol, mais je préfère attendre deux heures euh, sous la clim. Euh, dans un aéroport ou dans un avion, mais au moins euh, sous la clim que d'attendre 5 ou 6 heures au soleil, pour ensuite euh, encore euh, dans le bateau euh, attendre pour la traversée puis attendre pour passer le, les douanes espagnoles et la route, etc. Donc euh, moi, c'est ce que je fais maintenant, là, depuis quelques années. Après, je sais que quand il y a des familles avec des enfants, etc., c'est compliqué de, de prendre euh, 5, 6, 7 billets d'avion. Des fois, c'est quand même plus simple d'avoir aussi sa voiture, parce qu'il y a aussi le problème de la voiture. Moi, ce que je fais, quand je vais au Bled, en règle générale, je loue. Mais la location, maintenant, c'est devenu un peu cher. Les... En été, c'est difficile de trouver. Euh, mais en hiver, ou quand même passé l'été, rien que au mois de septembre-octobre, ça y est, les... il y a beaucoup moins de monde. Et puis, tu loues comme tu veux. Tu, tu... Franchement, les prix deviennent vraiment abordables. Euh, la location, l'été, c'est toujours un peu compliqué. Bon voilà les amis, euh, j'espère que ce message est assez clair. N'hésitez pas à le passer autour de vous, surtout si vous connaissez des gens de la famille, des amis ou, ou des connaissances qui vont rentrer du BLED euh, aujourd'hui ou dans les prochains jours. Faites-leur passer cette vidéo, il faut qu'ils sachent à quoi s'attendre. N'oubliez pas de liker comme d'habitude, de vous abonner à ma chaîne, d'activer la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Je publie des vidéos qui concernent le Maroc tous les jours, donc très important, activez-moi cette cloche. Abonnez-vous, c'est gratuit. Je vous remercie les amis et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.